Guten Tag, der Frankreich-Block ist im Institut français in Stuttgart. Neben mir steht Michel Boron. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur, je regarde votre carte, du Cavillam à Vichy. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors le Cavillam Alliance Française, c'est une école qui est une des écoles les plus connues en fait en France pour l'enseignement du français aux étrangers. Ça se trouve à Vichy, donc au centre de la France. Et en fait, Cavillam, ça veut dire centre d'approche vivante des langues et des médias. Et c'est une école qui a été créée il y a plus de 50 ans par la ville de Vichy et par l'université de Clermont-Ferrand. Le but de la ville de Vichy, c'était créer une activité économique pour développer l'économie de la ville. Et le but de l'université, c'était créer un lieu d'innovation pédagogique, donc où on enseignerait la langue française et d'autres langues aussi, d'autres langues européennes, comme l'allemand, l'anglais, l'italien et l'espagnol, avec des méthodes modernes. Et les méthodes modernes, c'était les méthodes audiovisuelles à l'époque. Combien de professeurs y a-t-il dans votre lycée? Alors en fait, dans notre école, il y a 32 professeurs, dont en fait 32 professeurs en hiver, et en été, il y a jusqu'à 80 professeurs différents. Et donc, combien de nationalités? Alors chaque année, on reçoit à peu près 130 nationalités, mais vraiment du monde entier, des 5 continents, des Australiens jusqu'aux Norvégiens, en passant par, bien sûr, des Irakiens, des Syriens, on a des Espagnols, il y a vraiment toutes les nationalités qui sont représentées. Les Asiatiques aussi, Japonais. C'est vraiment un monde extraordinairement interculturel, multiculturel. Magnifique. Je vous ai rencontré aujourd'hui ici à l'occasion de journée d'études pour des professeurs de français, à l'occasion de la journée franco-allemande ici, à l'Institut français, Stuttgart. Et j'ai pu observer votre passion pour le français. Et vous m'avez promis d'expliquer aux nouveaux arrivants sur le blog pourquoi il est facile d'apprendre l'allemand. En fait, l'allemand, au départ, on a l'impression que c'est difficile. Mais en réalité, quand on a compris comment ça marche, ça devient de plus en plus facile. Parce qu'on peut créer des mots en allemand, par exemple, salle de théâtre, ça va devenir Theatersaal. Donc même si on ne sait pas comment dire, on peut presque inventer le mot. Et si on a compris comment on peut prononcer l'allemand, après, il n'y a pratiquement pas d'exception. Donc finalement, au début, c'est un peu difficile parce qu'on a pas mal de règles à apprendre. Mais très rapidement, en fait, c'est plus facile que d'autres langues. Aussi parce que, comme il n'y a pas beaucoup d'exceptions, une fois qu'on a appris, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et puis, moi, j'ai appris l'allemand, j'avais déjà 21 ans. Je ne parlais pas un mot. Et au départ, je n'étais pas du tout, mais alors pas du tout attiré par l'allemand. C'était presque apprendre par nécessité. Et puis petit à petit, j'ai découvert le plaisir de parler allemand. Et aujourd'hui, j'habite en France après vraiment avoir appris cette langue. Et souvent, j'ai la nostalgie de cette langue, justement parce que j'ai découvert que c'était une langue très belle. Et c'est vrai, souvent, on dit en français, on s'amuse, on dit quelle est la plus belle langue, le français ou l'allemand? Et pour ça, on a une petite plaisanterie. Okay. Et la petite plaisanterie, c'est ceci. Maintenant, je vais dire deux phrases. Une phrase en français et une phrase en allemand et une phrase en français. Et vous allez me dire quelle est la plus belle langue. Alors, voici la phrase en allemand. Die Vögel singen im Walde. Et voici maintenant la phrase en français. Les oiseaux chantent dans la forêt. On voit bien quelle est la plus belle langue. L'allemand, n'est-ce pas? N'est-ce pas, hein? Donc, en fait, souvent, c'est justement la rencontre avec la langue qui va jouer un rôle. Moi, je dis au départ, je raconte ça souvent dans mon expérience, j'ai d'abord appris l'allemand vraiment comme une langue étrange, étrangère, très éloigné de mon univers personnel, puisque j'étais français, mais du sud de la France aussi. Donc, à l'époque, on ne voyait pas tellement beaucoup de personnes parler allemand. Et donc, j'ai appris l'allemand comme ça, comme une langue vraiment éloignée, nécessaire pour venir faire mes études en Allemagne. Et petit à petit, en fait, j'ai découvert la beauté de cette langue. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la nostalgie de l'allemand, souvent, quand je suis en France. Est-ce que vous avez quelques petits conseils pour des débutants? Comment se mettre à l'allemand? Alors d'abord, se mettre à l'allemand, c'est certainement trouver un cours d'allemand avec un professeur. Puis c'est aussi peut-être justement regarder, je veux dire normalement on est là pour communiquer, mais regarder un livre de grammaire et essayer vraiment d'acquérir aussi les règles de grammaire pour s'aider au début. Et puis tout simplement regarder, il y a sur la télévision, sur Internet, sur les tablettes,
tête. Il y a donc die Tagesschau, donc le journal télévisé. Et là, il y a le journal télévisé en 100 secondes, en 2 minutes. Donc Tagesschau in 100 Sekunden. Et en fait, tous les jours, on peut regarder en 2 minutes. On s'acclimate en fait à l'allemand. Et souvent, ce sont les mêmes nouvelles qui sont en français et qui sont en allemand. Donc, on peut reconnaître les mots et petit à petit, en fait, on peut vraiment apprendre. Et puis, petit à petit, c'est devenu une langue amie, une langue aussi des amis. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'ai rencontré des personnes que j'ai appréciées, qui m'ont apprécié. On est devenus des amis indépendamment de la nationalité et de la langue parlée. Et finalement, on a parlé allemand et c'est devenu une langue vraiment formidable dans la communication. Merci beaucoup. Merci à vous.